conjointe du comité interministériel des infrastructures ferroviaires et du comité des transports voyageurs. Les travaux ont été présidés par le ministre des Transports Jean-Ernest Massemangale-Bibé en présence du directeur général de Cambrai qui précise qu'il s'est agi de relever les problématiques entre autres sur l'incivisme et le sabotage. Écoutons Pascal Mini au micro de Judith Ndongo. On a établi un certain nombre d'actions qu'on va mettre ensemble en œuvre pour pouvoir sécuriser dans le sens de la sûreté les abords du domaine ferroviaire. C'était essentiellement ça l'objectif de la réunion d'aujourd'hui. Ce sont les actions de coordination entre les systèmes de police, les systèmes de gendarmerie, les systèmes de police ferroviaire, de police et de gendarmerie. Déjà, ça c'est un point fondamental avec beaucoup plus de transmission d'informations de part et d'autre.